les sacrés virages. Ceux devant la maison, pour le moment. Hein? Ceux devant la maison. Je vais prendre tout à l'heure. Non, c'est moi. Écoute, tu le maintiens. Parce qu'on va voir à cause de l'heure. C'est bon. Tu vois le distinct qui est Arnold, j'ai pas fait la journée. Ah bien. Vous l'avez dit ou pas? Ah oui, bien. J'ai pas compris. D'avoir partout, vous avez eu la lumière. C'est fan de Uma Thurman. Je sais pas. Uma Thurman, c'est Kill Bill, ça, que tu chantes. Tu connais pas? Ah, mais pour... La musique. Demain, c'est notre problème, la voiture. C'est sur la consommation responsable, quand même. Voilà. Un message. Hein. Bah, tu... Et avant de se quitter, sur le trottoir, elle va lui dire, n'oublie pas de venir chez moi ce soir, parce que j'ai fait un bon repas. Voilà. Allez, salut. Il rentre dans l'immeuble. Corps à corps, il monte une barre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas? D'accord. En fait, c'est la rencontre entre deux voisins. Ah, pour la femme, oh, mon nom. Une femme hyper active. Working girl. Bien sûr, celui monté à sa lière. Et lui, il est tranquille chez lui, il fait à manger, il a un de ses copains. La consommation, on est arrivé à un mot, c'est l'individualisme. Donc c'est Adrien, pareil. Notre homme fort de l'association, qui a trouvé une fois. Non, mais je dis c'est comme du bruit, quoi, à l'heure. Quand c'est bon, il y a une marche à trois ans. C'est bon, il y a une marche à trois ans. Désolé, ça fait trop. Merci beaucoup. Oh oui. Il est de quoi là? Il faut reconnaître. Il faut reconnaître la même. Par contre, il y avait le micro aussi, pour le faire tenir. Mais si, parce que c'était pris de. Je m'appelle Marc Ménager, je fais partie d'une association toulousaine. Et notre but à nous, c'est de faire du cinéma d'animation. Donc, par exemple, moi je suis réalisateur, je fais des films pour la télé, les festivals, des créations. Mais aussi, durant l'année, je fais pas mal d'interventions dans le cadre scolaire, donc lycée, collège, école primaire, centre de loisirs, un petit peu tout, et je fais de l'initiation au cinéma. Mais moi, je préfère le cinéma d'animation, parce qu'en fait, c'est assez complet comme sport, puisqu'on part d'une feuille blanche, avec les élèves, on écrit un scénario, on fait un storyboard, et partant de là, ils peuvent faire des décors, des personnages, des accessoires, et ensuite on tourne dans tous les plans larges, plans serrés, plans rapprochés, bref, un peu tout ce qu'on retrouve dans un film normal. Enfin, normal. 25 images par seconde. Voilà. C'est ce que je peux dire. Voilà. Donc ici, on est à Vic-en-Bigorre, et ça se passe plutôt bien. On est en train de faire un petit projet qui va durer 5 minutes. Donc on a une semaine pour réaliser 5 minutes d'animation. C'est quand même un sacré challenge, c'est peu de temps pour tant de films, puisque moi par exemple quand je travaille, il me faut 2 mois et demi à peu près pour faire ça, donc là on concentre, on prend des raccourcis et on arrive quand même à un résultat satisfaisant, sachant que pendant 4 jours on fait du tournage, le 5e jour on peaufine s'il manque des plans, etc. et on sépare le groupe en deux parce qu'il y a une partie qui va au son. Et comme ça en une semaine on a fait le tour de toute la chaîne de production, j'ai envie de dire, voilà. Et là, c'est un projet sur le développement durable. Alors, qui a eu l'idée de faire ce montage et ce film? C'est Madame Fabre qui porte le projet, qui fait la demande pour qu'on fasse ce film, voilà. Ça va servir à quoi, Maxime? Ça va servir à montrer un peu aux élèves ce qu'on peut faire en une semaine, dans une semaine banalisée. Et à vous, ça va vous apporter pour votre bac pro ou... C'est explicatif pour l'examen, contrôle continu, et puis après, bon, c'est intéressant, on voit comment ils font les dessins.